Comment faire quand tu n'as pas d'argent pour se lancer dans le dropshipping? C'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne où on parle web marketing, e-commerce et mindset. Là, on va parler de gens qui n'ont pas d'oseille, et qui veulent se lancer en dropshipping. Dis-toi une chose, c'est que si tu veux te lancer en dropshipping et si tu n'as pas d'oseille, C'est pas compatible quand on te dit oui, il faut pas forcément d'argent pour te lancer. Bah, c'est pas vrai. Déjà, tu as un coût minimum de 300 euros plus au moins une quinzaine d'heures maximum pour créer ton shop. Donc, ça, il faut en prendre conscience et c'est vraiment, vraiment important de le dire. Et après, à ça, selon ta stratégie web marketing, bah, tu vas avoir un coût soit de publicité Facebook, soit de publicité Instagram, soit d'influenceur. Soit de référencement naturel, bref, tu vas devoir dépenser de l'argent. Si tu n'as pas d'oseille, j'ai envie de te dire, bah, fais un métier, apprends un métier pour avoir de l'oseille et en même temps qui va pouvoir te servir dans le dropshipping. Et à ça, bah, moi, il y a un métier qui me vient comme ça, mais qui est tellement logique pour moi, c'est le métier de la rédaction web, de devenir un rédacteur web. Le gros avantage d'être un rédacteur web, c'est que déjà, tu peux, si tu as du temps et tout à consacrer, bah, tu peux générer des revenus. Donc, ça, c'est vachement bien. Il existe aujourd'hui une multitude de plateformes pour pouvoir devenir rédacteur web et être démarché pour de la prestation de rédaction. Il existe une multitude d'agences web, etc. Bref, tu es au niveau client, c'est pas ça qui va manquer. Donc après, ce qu'il faut, te former en tant que rédaction, en tant que rédacteur web. Et c'est important de te former parce que tu deviens pas rédacteur web du jour au lendemain. Tu peux bien écrire, tu peux ne pas faire de faute d'orthographe, etc. Mais il y a des process à respecter. Une fiche produit, la rédaction d'une fiche produit va pas être pareil que la rédaction d'une page à propos. La rédaction pour le SEO va pas être pareil que la rédaction pour les tunnels de vente. Mais le gros avantage de tout ça, c'est qu'une fois que tu as appris ce métier-là, ce qui est vachement bien, c'est que tu pourras t'en servir le jour où tu vas monter ta boutique e-commerce. Tu auras acquis un métier, tu auras acquis des compétences qui vont t'aider à vendre sur Internet de par le référencement naturel, de par l'email marketing que tu vas créer, de par les tunnels de vente que tu vas créer. Et ça, c'est vachement, vachement important. Et du coup, moi, j'ai envie de te dire, si demain tu veux devenir rédacteur web, il existe des formations, forcément, tu peux taper ça sur Google, etc. Mais je t'invite à regarder, regarder en dessous, t'as les 5 étapes pour devenir un bon rédacteur web. C'est un petit PDF illustré. J'ai envie de te dire, regarde ce qu'il en est. C'est pas ma formation, c'est pas mon contenu. J'ai envie de te dire, je pense que ça peut être une bonne solution parce que si tu as du temps à accorder, tu vas l'accorder pour générer des revenus, donc ça c'est vachement bien. Ces mêmes revenus vont t'aider à te lancer dans le e-commerce et en même temps tu vas apprendre une compétence qui va te servir pour l'e-commerce. Donc pour moi, c'est le métier idéal pour se lancer quand tu n'as pas d'oseille. Quand tu n'as pas d'oseille, tu commences par devenir rédacteur web et après, une fois que tu as un peu plus d'oseille et que tu as acquis ces compétences, tu montes ton shop et tu continues à créer, par exemple, de façon régulière, de façon journalière, du contenu pour le référencement naturel. Et le fait de te positionner sur des requêtes précises, forcément, tu vas attirer du trafic. Et par exemple, ce que tu pourrais faire, c'est du retargeting Facebook ou autre. Et une fois que tu as assez de trafic, même créer des lookalikes qui vont te permettre de vendre des produits en utilisant Facebook, mais à moindre coût. Voilà, si cette vidéo t'a plu, j'ai envie de te dire like-la. N'hésite pas à regarder dans la description, il y a le PDF des 5 bonnes pratiques pour te lancer dans la rédaction web. Et sur ce, j'ai envie de te dire à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!